Bonjour mes amis. Personne n'est préparé au départ à la disparition, à la mort d'une personne qu'on a aimée, avec qui on a partagé des très bons moments. La mort a surpris le 7 mai 2022 à Kinshasa, en RDC, notre frère et ami, le célèbre journaliste, animateur et producteur d'émissions, M. Christian Ilouamwana Bouté Wamutombo. Nous lui rendons hommage dans cette émission. J'ai sélectionné quelques moments, quelques souvenirs que nous avons partagés ensemble avec ces grands messieurs. Un monsieur éloquent, sociable, très curieux et d'une intelligence très fine. Mon frère Ilouamwana Bouté Wamutombo, tu nous laisses un grand vide dans nos cœurs. Nous, ta famille, tes amis et tes collègues. Comme on dit, quoi que tu vives, apprends à louer Dieu dans toutes circonstances. Car c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Repose en paix, mon ami. L'évaluation vient d'avoir lieu. Oui. En présence de Jackie Noblecourt, assisté de Anne. Dites-nous, ça c'est comment vous sortez de cette évaluation, avec quel sentiment? Oui, au fait. Votre objectif, c'est pour devenir quoi après? Mon objectif, c'est devenir optimiste. Ah oui, optimiste, confiant. Voilà, j'apprends beaucoup et puis j'essaie de mettre surtout mes connaissances théoriques en pratique. C'est pas toujours facile de faire le lien entre théorie et pratique. Quand vous êtes devant vos formateurs comme ça, est-ce que ça vous arrive de penser à votre pays et d'avoir un petit rêve sur ce qui vous attend? Mais pourquoi pas? Mais oui, j'ai toujours, même à mon formateur, je lui ai parlé de mon projet. Ceux de là-bas, mon projet, si j'ai des moyens, puisque c'est toujours histoire de moyens, si un jour j'ai des moyens, mon projet c'est de monter, pourquoi pas, un institut de formation en pleine capitale. Former les aides-soignants, les infirmiers aux soins infirmiers de la même façon qu'ici. C'est ça vraiment un projet. Puisque avec mes collègues, mes formateurs d'ici, de temps en temps, leur payer un petit voyage, ils viennent là, ils font des cours, et non, c'est comme ça. Un module pendant 2 semaines, on peut faire ça. Ouais. Bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. Donc, Jackie, vous avez de l'expérience dans cette formation. Là, c'est un... C'est Djamba que vous avez reçu aujourd'hui, vous êtes assisté de Anne. Qui est cadre de santé aussi. Alors, Jackie, chaque fois que vous recevez un candidat comme ça, c'est des sentiments différents ou comment vous vivez ça chaque fois que vous avez des candidats comme ça? Avec conscience de l'enjeu pour eux, effectivement, de la validation de leur formation. Et quand Djamba disait qu'effectivement, il éprouvait de la peur, elle s'est vite transformée, il l'a dit lui-même, en optimisme et en confiance. La crainte de l'évaluation, effectivement, fait souvent place à l'ensemble des acquis que les étudiants prennent conscience dans leur travail, qui n'est pas des moindres, puisque notre exigence est forte. C'était un plaisir particulier, si c'est un honneur, de travailler avec Njimba, qui a cette conscience de transférer ses acquis dans une activité future dont il a exprimé lui-même qu'elle était destinée au sien. Oui. L'évaluation, c'est aussi la valorisation, l'appréciation, la mise en valeur. Et peut-être que ce que je souhaiterais effectivement à Ndji n'est pas une chose facile, puisque l'obtention d'un master en sciences sanitaires et sociales demande du travail. Le cours, avant de vous quitter, un étudiant comme Djamba, c'est un étudiant, je vais dire, qui n'est pas comme les autres, au regard de ses origines, de ses ambitions. Il a lâché tout à l'heure qu'il souhaitait... dans la réalisation de ce projet, un jour, par exemple, vous inviter pourquoi pas ce jour des formations, sentimentalement, et si les moyens sont remplis, ça peut vous tenter de vous rendre... Il y a deux questions que vous me posez. Oui. Sentimentalement, oui. Sur les moyens, peut-être. Mais bien volontiers. Et je vais user d'une petite anecdote. Djimba connaît effectivement ce symbole. On peut lui espérer effectivement l'obtention des diplômes. De son diplôme.
avec cette symbolique qui est le TAF, le transfert des acquis de la formation. C'est ça. Et j'entends dans votre question, c'est effectivement... Les transferts de connaissances. C'est ça. Si ce n'est intergénérationnel, c'est comme c'est le titre de votre mémoire, interculturel. Oui. Donc ce sera effectivement avec plaisir que je répondrai... Que je répondrai à l'invitation. Christian. Pas de problème. Non. Et c'est... Moi, je te remercie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans ce document. Nous parlerons aujourd'hui de la CODEL. La CODEL, c'est la coopérative de développement de Loubefou. C'est une organisation non gouvernementale de développement qui prévoit plusieurs activités pour l'année qui va commencer. Il y aura descente d'un certain nombre de spécialistes pour intervenir dans divers domaines, et particulièrement ce qui concerne la santé, car pour qu'il y ait un bon développement dans une cité, dans une ville, dans un village, il faut s'occuper de la santé. Et la CODEL que préside le docteur Ekodi l'a inscrit dans ses priorités, bien évidemment. Voici une initiative qui va certainement vous toucher, c'est-à-dire la contribution d'une star internationale, méga star, Chungu Wemba Diyo, Papa Wemba, natif de Loubefou, Chungu Wemba Diyo, Mzee Wemba Diyo, qui a toujours été présent sur tous les fronts lorsqu'il s'agit de lutter pour la juste cause, que ça soit contre l'apartheid, par exemple, jusqu'à la libération de Nelson Mandela, que ce soit contre divers problèmes qui se posent à travers le monde, il a toujours été là, Papa Wemba. Et que dire lorsqu'il s'agit de son Loubefou natal et surtout de sa maternité qui bientôt sera réhabilitée. On va électrifier Loubefou. Une délégation est allée le rencontrer et il a tout de suite donné son accord pour envoyer un message particulièrement en ce qui concerne la lutte contre cette pandémie qui, en ce moment, préoccupe l'humanité entière. Alors Papa Wemba va s'adresser à la population de Loubefou dans la langue de chez lui, de là-bas, des Loubefou, c'est-à-dire en Haut-Tété-là. Tout de suite donc, nous accueillons sur ce plateau Ekoumagni, Papa Wemba. La ville de Leipzig en Allemagne se trouve à plus ou moins 10 000 km de Onalua, petit village de Katakokombe, aux origines de Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo, dont le buste monumental a été réinstallé dans les jardins de l'Université de Leipzig. C'était à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition tragique du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Cérémonie émouvante, vécue en présence de Son Excellence, Madame Clémentine Chakembo Kamanga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Allemagne. Messieurs les représentants, vous vivez un colloque riche et plein d'enseignements, animé par d'éminentes personnalités du monde scientifique, à l'instar du professeur Kassé, venu tout droit de l'université Cheikh Diop de Dakar au Sénégal, et qui nous livre ici ses impressions. Et quand j'ai lu dans le flyer cette dame qui déjà en 1961 avait projeté de faire le buste de Lumumba, quand elle a su que Lumumba avait... Ça y est, le verbe. Bonjour. Sauf que là, nous allons réserver ça pour l'élu du cœur. Oui. On ne le connaît pas. Bon, on verra. Le monsieur. La prière qui introduit la cérémonie de ce jour, cérémonie pour laquelle, en tant que porte-parole désignée par la famille, je vous souhaite la bienvenue dans cette maison qui est la maison de Fifi Hélène. Petite présentation comme ça, là, nous n'irons pas dans tous les détails. Le papa de Hélène est là, Jean-Paul Djamba, et sa charmante épouse et chère épouse, la maman de Hélène. Irène, excusez-moi. Hein? Nous avons des invités de la famille, des amis et connaissances.
Ce que nous souhaiterons peut-être, c'est de votre part que vous puissiez vous aussi vous présenter, peut-être brièvement, et nous dire ce que vous êtes venu faire aujourd'hui. Quel nous vaut l'honneur de votre visite, vous qui venez de si loin, du royaume de Belgique. Avant qu'ils interviennent, oui. Je voulais dire aussi que Imam Alaboudé, qui est présent, a vu naître comme elle est. Voilà. Donc c'est son père. Donc, tout à fait. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas par hasard. Voilà, c'est pas par hasard. Non. Si vous le connaissez, c'est notre célèbre journaliste. Oui, oui, oui. Il m'a bercé. Merci. De merci. Merci. Une belle et c'est un plaisir de vous rencontrer dans ces temps par les circonstances. Souvent c'était à la radio, mais maintenant on peut le voir en live. Et là on a aussi notre belle-sœur qui est là comme Papa Olma n'est pas là, c'est la femme de Papa Olma, maman Mazor. Qui est là aussi. Je ne vais pas confondre avec son mari parce que par contre c'est un peu la. Et moi donc je vous présente aussi brièvement comme ça. Donc ouais. Ça c'est mon grand frère qui est là, donc c'est Roman. S'il y a des familles proches que j'ai en France, c'est lui, Albert Le Projet. Lui, il m'a vu venir en France. Bon, merci pour la musique. Merci pour la musique. Merci. 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 J'ai l'impression que Yende. J'ai l'impression que Yende. Eric. J'espère que Zagi distraction, t'es vaso distrait. Est-ce que Yende? Cette fois-ci, voici l'os de Bezos, la chair de Mars. La dengue va se mettre en bloc, la dengue va mettre en bloc, est-ce que vraiment, Yende? Oui, c'est bien. Bon, puisque Yende, au plus ça n'a plus bien, on peut s'en imboter et bongo. Voilà.
Votre attention, s'il vous plaît, votre attention. Le moment M est là. Le moment M est là. Parce qu'on la question pas. Que je vais poser quand même, vous êtes témoin voilà. De quelque chose qui va se faire maintenant, c'est-à-dire d'un acte qui sera verbal. Je voudrais savoir. Bon, les jeunes filles, vous pouvez, merci. Hein. Hélène. Merci. Non, restez là, vous êtes. Restez, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas, c'est très vite. C'est rapide. Hélène. Papa Jamba, Jean-Paul Jamba, maman. Les amis et connaissances, oui. Vous êtes témoins devant nous tous ici et devant Dieu et nos ancêtres que cette charmante personne, la fleur en question, yes, tant attendue, la plus belle fleur, est-ce qu'elle est d'accord avec cette cérémonie pour laquelle nous sommes des témoins privilégiés? Je voudrais lui poser la question, Hélène. Est-ce que tu acceptes de prendre cette dot qui représente le mariage coutumier entre toi et... Je voudrais entendre son nom. Vous voyez, je suis au milieu. Si vous acceptez, vous prenez cette enveloppe que vous allez, nous en connaissons le contenu, que vous remettrez à votre papa qui va se mettre debout. Si vous acceptez, seulement si tu acceptes. Et en ce moment-là, moi je vais permettre. Tu acceptes pour qu'on entende ton oui ou ton non à haute voix? Oui, j'accepte. Non, on n'a pas. Oui. Une dernière fois. C'est oui ou c'est non à haute voix? Oui. Entre ces deux personnes. Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus pour l'émission Vérité pour les deux sans tricage. Aujourd'hui, je ne serai pas seul à vous la présenter. Je serai avec mon confrère Ilunga Mwana Rutekwa Mutombo. Vous avez exemple Munene Nabalek Nabiso. Donc, le lot de dans un plateau et à RD Congo Info. Cela n'empêche qu'on fasse appel à Ilunga Mwana Rutekwa Mutombo, icône quand même de la presse congolaise. Je pense que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ilunga Mwana Rutekwa Mutombo, bonjour. Bonjour. Merci mingi na honneur salina RTC na les alokola la coopération mon boyé et bandi biso média traditionnel de comme il a époque il y a internet ba web télévision et loko sali à ma connaissance ezali liboso na kolinga que exemple wana balanda yango. J'en profite pour saluer mamie, il est là pour
évidemment sur l'émission en disant que nous sommes ce soir, grâce à César Ngadi, tout le monde est d'accord, chez quelqu'un qui était proche de Papa Wemba. Il est d'ailleurs appelé la personne des confiances. Voilà un terme auquel vous allez vous habituer, car dans notre microcosme médical ordinaire chez nous, par exemple en République démocratique du Congo, on parlerait plutôt de médecin de famille, ici aussi. Mais ça a changé ici. Comment, pourquoi? C'est la question que nous poserons à Jean-Paul Djamba. Nous sommes chez lui, Toye, et pas Inayenanda, ou Tango Tobengi, la personne de confiance. Il y a Papa Wemba, Oyo, Tozali Kolela, Oyo, nous autres, on a écouté Nanou, Bakundi, Angote, Potosa, Dengue, Tozali Kotinda, émission Oyo. On a dimanche, et pas Mami, il est là. Eh bien, la résidence, il y a Mutu Oyo, Nandenge à Lingala Nabisova, mon confia, Papa Wemba, en termes de santé et de famille aussi, à Zala qui proche. Yé, à Yébaki, Kondo, Papa Wemba, Nandenge Oyo, Nyon, Suetali Santé, dans les probes à l'objet Bélé, na Maïmaouti Koleka. Alors, avec César Ngadi, na Isika Oyo Tozali, place Jean-Paul Djamba, Avandi, Zali, Kiti et Paikani, mingi mingi soki Papa Wemba ekumanya ye na ndako oyo azalaki kovenda obele ndenge Jean-Paul na mona ya komi ndenge avandi wana c'était un peu éléniose avec Papa Wemba awa et ça bon gote hein César est-ce que na kosi na exagéré pété pour exagérer té na rasi ba omona na belili to za na extrêmement ko bazola za ke Papa Wemba avandi na kiti oyo Jean-Paul Djamba Kaudi avandi. Je pense que après émission oyo toutes les zones d'ombre et tout autour il y a Loa et à Papa Wemba vis-à-vis à santé naie et Kolongwa parce que tous un homme de confiance au Papa Wemba parce qu'il confiance mieux surtout à 100% dans ma famille santé naie au accompagné qui Papa Wemba tant voyez qui a eu une hospitalisation naie crise à Liboso crise à Liboso et puis à tant qui bah ma famille sous carnet et à santé à Papa n'importe qui était pour Djamba Jean-Paul Djamba Kaudi Azali cadre de santé à Kondi Bolabiso en gros exactement Salawana et ça ndenge nini alors quand ici motuna oyo na pese pas na po au glisser en gros na pas ya Jean-Paul Kuna Ezali ndere bisabiso d'abord musala na ye na domaine médical Ezali ni. OK donc to pesa maloba et pas ya Jean-Paul Djamba Kaudi donc to zali awa na ndako na eto bien sûr au moment na pe moi si na ye madame Djamba Zali awa na ndeko ya papa wa mba kalijo upe azali awa ba ko participer na kati ya émission oyo tozo confirmer bino ke kalijo go aloba na mte na ba télévision aloba na mte c'est la première fois andimi aloba na kati ya émission oyo pour dire que avec RD Congo Info tout le monde est d'accord. Yeah.